Salut les gens, c'est Wembe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour l'unboxing de la nouvelle Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite, la version sans les Joy-Con qui se détache et qui va venir en complément de la Nintendo Switch actuelle. Alors on va faire un gros unboxing aujourd'hui, va y avoir pas mal de comparaisons qui vont être faites avec la Nintendo Switch actuelle, et ce qu'on va faire c'est qu'il y aura d'autres vidéos bien sûr par rapport à celle-ci, de mon avis à chaud après une semaine je pense, ou après quelques jours. Je vais essayer de l'utiliser au maximum dans les jours qui vont venir pour vous faire un retour complet dessus. Et bien sûr, si vous avez envie de tutos particuliers, par exemple, et bien mettre un compte sur de Nintendo Switch, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vais mettre un sondage là, comme ça, ce sera très bien. Allez, on y va, on se lance pour l'unboxing de cette nouvelle Nintendo Switch Lite, qui est une console destinée pour les gens qui souhaitent avoir une console portable, hein, 100% portable, puisqu'elle ne se branche pas sur le dock. Et voici la boîte qui est toute petite, mais vraiment, vraiment extrêmement petite. Vous le voyez, c'est vraiment rien que la Nintendo Switch elle-même, elle fait la taille de la boîte. Donc c'est juste un truc de fou. Allez, on ouvre ça, on passe par, comme ceci. Paf. Alors, à l'intérieur, on va avoir un adaptateur secteur qui va permettre de brancher la console directement sur le secteur. Et voici, la bête. J'avais extrêmement hâte de vous l'unboxer, c'est vraiment un truc de fou. J'avais hâte de la recevoir. Alors elle m'a coûté 199 €, puisque vous pouvez la trouver à 199 €, entre 199 et 219 selon les revendeurs. Vous aurez tous les liens dans la description pour la commander. Et donc voilà la bête qui est extrêmement légère. J'ai l'impression de d'avoir rien en main, c'est un truc de fou. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Dans la boîte on a alors déjà je vais éteindre mon téléphone parce que sinon ça va me gaver. Voilà, bien sûr, voilà, on sera beaucoup mieux, rien qu'entre nous, hein. Alors, la notice d'utilisation, pareil, on s'en bat les steaks en général. Et le câble d'alimentation, alors lui par contre il est carrément plus lourd que la console elle-même. Rien que le câble d'alimentation, il est super lourd. Alors, par contre, petit inconvénient par rapport à ça, on a un gros bloc. Alors c'est assez impressionnant d'ailleurs, c'est assez impressionnant, les blocs comme ça, j'en ai pas vu depuis un sacré bout de temps. Un gros bloc d'alimentation, par contre, une très bonne chose, c'est que ça vous permet de brancher votre console un peu partout, parce que le câble est assez long quand même, hein. Voilà, à noter que le câble est relativement long. Par contre, en termes de blocs, les gars de chez Nintendo, vous y êtes allé fort. On est sur un bloc de quoi, entre 100 à 240 volts. Ah oui, quand même. Output sortie 5 volts. Et ben, on est sur un bloc qui est assez imposant. Allez, la fameuse Nintendo Switch Lite qui est ici. Déjà, en comparaison de taille, c'est un truc de ouf. Elle est juste toute petite. Vous le voyez, regardez, je peux mettre l'autre Nintendo Switch derrière. L'autre Nintendo Switch dépasse de tous les côtés. C'est vrai, c'est vraiment fou. Pareil, en taille d'écran, vous voyez la différence. Alors, très honnêtement, je l'ai déjà eu en main dans le magasin où je suis allé, et l'écran n'est pas si petit. Et c'est franchement très agréable. Allez, on la sort délicatement. Je vais vous faire un tour. Je vais vous faire un tour de celle-ci. Regardez, je vous fais un petit tour de derrière. Elle est super belle. Alors, j'avais un petit peu peur que justement le plastique fasse, cheap. Et bah du coup, il fait pas cheap du tout. C'est ce que je vous disais. Autant le plastique de la Wii U faisait un peu cheap, autant celui-ci, pas du tout. Et c'est assez incroyable. Vous allez le voir, là. Voilà, vous le voyez avec le reflet, c'est pas grave. C'est assez impressionnant en termes de, Switch. Alors, pour les joysticks, on va comparer un petit peu ce qui se compare. Ouais, on est à peu près sur la même chose en termes de joystick là. Alors, l'avantage, c'est que vous avez une croix directionnelle ici, ce qu'il n'y a pas sur la Nintendo Switch. Vous voyez qu'il y avait des boutons maintenant, et vous avez le pad directionnel. Vous avez un autre joystick là, bien sûr, toutes les mêmes touches. On le voit très très bien sur cette version de la Nintendo Switch Lite autour... autour du bouton Home, vous avez, vous avez bien le petit cercle des notifications. Bien sûr... Là, pas de Joy-Con qui se détache, là ça ne se détache pas, ça ne glisse pas, ça ne slide pas, puisque c'est une console 100% portable. En termes de boutons, derrière, la même chose, les boutons ZL, ZR avec la petite trappe ici pour, qui est un petit peu différente d'ailleurs, je trouve. Pour les jeux, bien sûr, nous on va mettre Zelda Link's Awakening, puisque on commence le let's play à 12h30 sur la chaîne, si vous avez envie, sur la chaîne Twitch, et ça sera en rediffusion cet après-midi à partir de 16h. Voilà, donc le petit endroit pour mettre, pour mettre la cartouche, bien sûr. Vous avez le port pour les écouteurs qui est sur le dessus.
l'aération ici, vous avez pareil les touches plus moins avec eh bien, l'interrupteur ici, et vous avez sur le dessous le port qui est là, qui ne fonctionne pas avec le dock. Alors ça ne fonctionne pas ni avec le dock ni avec les docks supplémentaires. Alors j'en ferai des tests à côté, mais de tout ce que j'ai lu sur internet, tous les gens qui l'ont reçu en avance et qui ont testé, ça ne fonctionne pas avec, avec le dock de la Nintendo Switch, ça ne fonctionne pas du tout avec. Ensuite vous avez bien sûr toujours ici le petit port pour mettre eh bien, la carte micro SD. Une chose à noter aussi sur cette Nintendo Switch Lite, vous n'avez pas derrière, et eh bien ceci, vous savez sur la Nintendo Switch il y a ça pour pouvoir la poser sur la table tout simplement, et eh bien là pareil, adios ce petit bouton, il n'y est pas. Donc en termes de comparaison, c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est le poids en main, c'est extrêmement léger. Attendez, je vais l'allumer avec vous. C'est extrêmement léger, c'est vraiment un truc de folie. J'ai l'impression d'avoir rien en main en termes de confort. C'est juste une folie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la PS Vita aussi à côté pour vous comparer la taille. Ma Vita qui a un peu pris la poussière ces derniers temps, je vais pas le cacher. Regardez, en termes de console, vous avez un écran qui semble un petit peu similaire. Alors si je dis pas de bêtises, l'écran est un peu plus grand. L'écran est plus grand sur la Nintendo Switch Lite, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce confort qu'il y avait chez la console portable de Sony, qui était extrêmement agréable en main. Et là c'est vrai que là, ça tombe en main, c'est pas trop petit. J'avais peur que ça soit trop petit, vous savez, pour les, parce que j'ai des très grandes mains, et j'avais un petit peu peur que ça soit un petit peu petit, et très honnêtement ça tombe juste parfaitement. Ça me casse pas le pouce quand j'arrive sur le joystick. On va mettre la console en français, voilà, hop là, Europe, recherche de réseau, bon ça va être toutes les recherches de réseau, mais c'est juste, attends, je vais me connecter aussi, paf, alors le tactile fonctionne très bien aussi, comme ça on est bon, nickel Chrome, voilà, ça se connecte à internet. Mais c'est juste impressionnant. En termes de prise en main, c'est juste une folie cette Nintendo Switch Lite. On va mettre, peu importe, voilà, Paris, clac. Toute la même configuration, un utilisateur va être ajouté, il faudra que je le fasse parce qu'en fait on peut lier deux comptes si vous avez une console secondaire. Le truc c'est que ça c'est ma console principale, ça c'est ma console secondaire. Donc il va falloir que je fasse des trucs pour avoir justement eh bien, des utilisateurs dessus. Donc on va faire créer un nouvel utilisateur. On va prendre ça, paf. Par contre, en termes d'écran. L'écran est ultra agréable. Je trouve qu'il y a vraiment une amélioration. Alors, c'est assez... je sais pas, au niveau des couleurs, je les trouve plus agréables. Alors après, on va voir ce qu'il y a dans les menus. Pareil, plus tard, on va se connecter plus tard. Voilà, passer. Ça, on va voir plus tard pour Nintendo Switch Online. Voilà, ils nous proposent toutes les offres, en fait, sur Nintendo, évidemment. Hein. Ils vont tout nous présenter. Voilà, suite. Passer. Préparatif, terminé, appuyez sur le bouton Home. Voilà, on est sur l'écran d'accueil, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la luminosité au max. Alors, vous allez peut-être pas le remarquer, mais en termes d'écran, l'écran, il a un contraste totalement différent des autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Link's Awakening dedans, directement, voilà, pour aussi montrer les choses. Hop, je le glisse à l'intérieur, clac. Les couleurs sont plus chatoyantes. C'est assez bizarre à dire, mais je vous le montre rien que sur l'affichage de ça. Vous voyez que là, Link's Awakening, il est affiché là. Et là, vous allez le voir affiché aussi ici. Je pense qu'on le voit déjà à l'écran. Il y a un filtre couleur qui est légèrement différent et qui rend la Switch Lite assez intéressante. Pareil, vous avez sur la Switch actuelle, eh bien, toute cette espèce de grosse bordure noire autour qui était un petit peu dérangeante en nomade. Hein. On se disait, voilà, c'est vrai que l'écran, il aurait pu être plus grand. Là... Et bien là, il n'y a pas de grosse bordure noire sur le côté. Alors bien sûr, vous avez les bordures de la couleur de la Nintendo Switch Lite qui au final est bien fait se fondre l'écran à l'intérieur, et c'est ultra agréable. Alors je suis, honnêtement, je me disais, bon, ça va peut-être pas plaire à beaucoup en se disant, bon bah c'est une console 100% portable, la Nintendo Switch qui est censée switcher, là elle ne switche plus, et pourtant, moi qui aime les consoles portables, alors depuis la grosse Game Boy, vous voyez qui est là avec tiens, bah, le Steelbook, justement, si vous êtes intéressé par l'édition collector de Zelda Link's Awakening qui est déjà unboxé sur la chaîne avec le fameux poster, j'ai toujours été fan des consoles portables. Et là, en prise en main, j'ai vraiment l'impression de retrouver eh bien, la sensation de vraiment de ma Game Boy. Alors déjà, j'avais cette sensation avec la Nintendo Switch première du nom, mais là, encore plus, et ne pas avoir les Joy-Con qui se détachent, j'ai pas de problème parce que là, en prise en main, quand vous mettiez les mains là, regardez. Hop là, le Joy-Con, eh ben, il s'enlevait tout seul, il n'y avait même plus besoin d'appuyer au bout d'un moment. C'était le gros problème de la Nintendo Switch qui crée apparemment aussi eh bien, le fameux Joy-Con Drift. Et là, paf, là ça tombait. Là au moins,
ben, ça tombe en main et vous n'avez pas de risque en fait que les Joy-Con se détachent. Il n'y a plus aucun problème. Alors après, bien évidemment, on est sur un prix de 199€, donc il va falloir voir sur la durée si les personnes qui l'achètent, eh bien, sont 100% satisfaites comme moi, eh bien, du mode portable. Moi, je joue davantage en mode portable, sauf quand je vous fais des vidéos. Mais en tout cas, de visu, là, au déballage, à l'unboxing, avec cette finition que je trouve juste incroyable, je la trouve magnifique. Et surtout, elle est ultra légère. C'est vraiment, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un petit bijou et ça fait pas cheap, c'est pas cheap, c'est trop cool. Peut-être que je m'extasie tout seul devant ça, mais voilà. Autre chose par rapport à cette Nintendo Switch Lite, bien sûr Nintendo, c'est le coffre Zelda. Voilà, si vous êtes intéressé, il y a l'unboxing sur la chaîne. Nintendo a déjà publié, enfin a déjà mis dans les magasins bien les fameuses housses pour la Nintendo Switch Lite. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté une. Voilà, j'ai acheté une housse exprès. J'ai aussi acheté, dedans vous avez des espèces de protections d'écran, vous savez, un petit peu transparentes pour protéger l'écran. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une protection en verre trempé. Pareil, ça m'a coûté 9€, ça m'a coûté 20€. Et comme ça au moins ma Nintendo Switch Lite va être protégée. Paf, un petit peu, tu sais, un petit peu format, pas cuir, mais un petit peu format cuir. Paf, je fais ça comme ça. Je mets ma Nintendo Switch Lite à l'intérieur. En plus, c'est un petit peu rembourré. C'est un petit peu rembourré à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Je vous mettrai tous les liens dans la description, bien sûr. Paf, je vais vous montrer par rapport à l'autre Nintendo Switch, parce que j'ai acheté aussi du coup, eh bien, la housse de Link's Awakening, puisque vous savez que je suis fan. Je vais la mettre à l'intérieur et vous allez voir la différence de taille pour pouvoir les transporter. La housse avec la Nintendo Switch, la housse avec la Nintendo Switch Lite. C'est juste tellement plus petit. Je pense que ça va convenir à beaucoup de gens qui cherchaient une console portable. Ceux qui majoritairement ne jouaient pas en forme télé, et bah du coup ils vont pouvoir être relativement satisfaits par rapport à ça. Bref, voilà, c'était l'unboxing assez rapide de la Nintendo Switch Lite avec pas mal de choses. Voilà, un gros chargeur. La batterie est améliorée par rapport à la Nintendo Switch normale, mais plus faible que la Nintendo Switch améliorée, qu'on trouvera dans les magasins avec des boîtes rouges, toutes rouges. Mais franchement, qualité de finition, qualité d'écran, je le vois directement. Utilisant ma Switch depuis tous les jours, depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, bah je le vois. Hein, rien que la définition de l'écran, elle est plus jolie, l'écran est plus joli, il est plus lumineux, c'est beaucoup plus agréable. Et en main, c'est juste incroyable la façon dont ça tombe. Par contre, toujours soumis un petit peu, bien sûr, au salissement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu pour l'unboxing de cette Nintendo Switch Lite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, mais également à partager en masse la vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir, partagez-la. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà, bah dites-moi vos premiers retours. Bien sûr, il y a d'autres vidéos qui suivront sur cette console pour vous faire mes retours et bien sûr mon opinion après et bien des heures et des heures d'utilisation. Et bien sûr, si Zelda Link's Awakening vous intéresse, et bien il y a l'unboxing du collector qui est dispo sur la chaîne. Et dès cet après-midi, midi et demi, le live sur Twitch pour le Let's Play et le premier épisode qui sortira à 16h sur la chaîne principale ici même. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à le faire savoir, faites péter la barre de pouce bleu, voilà, tout simplement. Bref, allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne ou pas, sera toujours encore à toilette en écran de décider. Salut.